Mort de Michel Blanc, une réaction allergique rare en cause. Que s'est-il vraiment passé? Ce vendredi 4 octobre, la mort de Michel Blanc a été annoncée. L'acteur de 72 ans est décédé la veille et la cause a été révélée par BFM TV. C'est la triste nouvelle de ce vendredi, la disparition la veille de Michel Blanc, l'acteur de 72 ans, a provoqué la stupeur de ses amis et la troupe du Splendid. A commencer par Gérard Junot, bouleversé d'apprendre la disparition aussi soudaine de son grand acolyte dès toujours. BFM TV a donné des précisions sur ce qui a emporté le comédien et il semblerait qu'un choc anaphylactique a été la cause, suivi d'un malaise cardiaque fatal. Comme l'expliquent nos confrères, Michel Blanc a fait une rare et très grave réaction allergique s'apparentant en un œdème de Kunth. Ce dernier provoque un gonflement rapide de la peau et des muqueuses au niveau de la tête et du cou. D'après les informations d'une source médicale relayée par M6, le célèbre acteur s'était rendu dans un cabinet radiologie situé dans le 14e arrondissement à 14 heures après avoir pris un traitement antibiotique dans la matinée. Dès cet instant, son état de santé s'est détérioré et le SAMU a rapidement pris en charge Michel Blanc. L'ami de Thierry Lhermitte et de Josiane Balasco a ensuite été admis aux urgences de l'hôpital de Saint-Antoine dans un état critique vers 15h30. Il a été réanimé après 6 arrêts cardiaques, annonce également la même source. Mais malheureusement, c'est à 22h45 que Michel Blanc rendra son dernier souffle.